Salut tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ropette, épisode 4. La dernière fois, on s'était laissé sur le mouton. Alors, je crois qu'on était au troisième, il me semble. Je crois que le troisième est terminé parce que je l'ai fait en vidéo, voilà. Et maintenant, il est temps de s'occuper du dernier, du coup, mouton qui nous reste. Donc, on y va. Alors, je pense qu'on va peut-être pas terminer, mais dimanche, comme ça sera un épisode de 30 minutes, il y a de grandes chances. On l'aura fini cet épisode-là, donc demain on l'aura fini. Donc voilà. Donc on va faire les kills comme d'habitude, hein, le hobby et tout. Alors je sais que j'ai, je crois que j'ai fait des petits merges en vidéo. J'ai changé le char pour 3-4 000 d'argent. J'ai fait quelques merges et là j'ai obtenu robot en épée que je n'avais pas en plus. Oh non, ils ont enlevé la quête du parc. Oh, c'est pas beau ça. Bon bah j'ai tué la quête de la gym. Oh c'est pas bien, en plus ça avance pas. Qui est pas ouf en fait. Bon de toute façon comme je vous ai dit hier, du coup la prochaine match c'est bien le pass, hein, j'avais bien raison. Donc voilà, et je crois que j'ai obtenu un pou en vidéo, oui c'était le pou de sable. Que j'avais déjà eu, mais bon ouais. Lors de la saison 4 ou 3, je m'en rappelle plus. Mais bref, donc du coup, bah, on est parti pour le bilan pour gagner au moins 10 gemmes. Donc ça, bon, vu qu'on a dépensé toutes nos gemmes la dernière fois, je vais quand même au moins en avoir peut-être pour le pass. Donc on y va. C'est parti pour le hobby. Alors je pense aujourd'hui, on n'a qu'une seule vidéo à faire, c'est-à-dire Ropette. Et peut-être une petite tier list entre-temps, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de tier list. Bon. Bien sûr avec les règles à la noix, c'est-à-dire mon truc est objectif, donc si vous n'êtes pas d'accord, hein, bah, vous renvoyez chez la Team Rocket et tout le tralala. Vous connaissez. Donc là, on demande le camping, bah, on vient à peine de commencer le hobby, ça n'a pratiquement aucun sens, mais si vous voulez. Très bien, donc là c'est un checkpoint. Oh non, pourtant j'ai sauté. Ah oui, c'est vrai que Ropette, à chaque fois il fait des feintes. Mais ça arrive à 10% des cas. On y va, hop là. On a bien sûr les toupies Beyblade, tout ce que je déteste, hein, parce que moi les toupies Beyblade c'est vraiment mon unique obsession, c'est bien. Donc là on avance et là on a un nouveau checkpoint. Donc voilà. Et peut-être demain on recevra. Avec les tasks, hein, parce que j'aurais pas cette gemme. Ouais, si j'en aurais assez, mais j'ai pas très envie de dépenser encore toutes mes gemmes pour rien. Donc je préfère limite les ouvrir avec les tasks, c'est mieux. Oh non. Bon, oui, mon téléphone bug un peu, c'est ça qui est un peu chiant. J'arrive plus à avancer très bien. Mais ça va en tout cas, ça passe. Tac. Tac, ok, les toupies Beyblade, dit Pavitesse. Oui, parce que ça, c'est l'accent québécois. Oulala, oulala. Non. Cela, il y a une toupie Beyblade qui va se passer ici. Bichengus. Non, c'est Bingus. Oulala. Ça joue bien hein, pour les toupies Beyblade, c'est un truc de zinzin. Ok, checkpoint. Et on est reparti. Hop là! Je sais pas si c'est le dernier checkpoint ou quoi, parce que là ça me fait un peu peur. Hop! Ah, je récupère 100 pièces. C'est bien. Je vais aller à l'autre bout comme ça. Moi je suis safe. Voilà. Ah non, c'est l'avant-dernier checkpoint en fait. On en a un autre ici. Ok. Bam! Checkpoint! Encore 40 pièces de gagné. Oh non, non, non. Non, je suis mort comme un con. J'avais même pas vu. J'ai fait le con. Bon, ça comptait pas parce que j'ai fait le con, mais... peut-être après la vidéo de Ropette, ce que je ferais, c'est une petite tier list Pokémon. Et quel Pokémon je peux battre en un contre un version première génération. Voilà. Bon, de toute façon, mon avis est toujours objectif, hein, comme à chaque fois, vous me suivez toujours, hein, depuis toutes ces tier list, je crois que... Les trois tier list que j'ai faites, je crois qu'on m'a incendié un peu. Et c'est la victoire! Ok, 10 gemmes. Donc 30 gemmes, voilà. Ça fait plaisir.
Bon, j'ai essayé d'en économiser un max. Vu mon nombre de gemmes, c'est pas dur. Ok, donc du coup, bah, on y va du coup pour le campfire, donc le camping. Et ensuite, on va faire la training center pour voir les capsules d'argent et tout le tralala. On va voir ce qu'on aura aujourd'hui en tout cas. Parce qu'on fait tout le temps ça hein, en plus. Après, on aura le nouveau pass hein, qui sera vendredi. Donc vous ferez non, c'est dans le ça sera le 4 mai. Du coup, bah je pourrais pas faire de vidéo dropette parce que ça sera la fin du x2. Mais bref, vous ferez quand même une vidéo sur le pass samedi. Samedi 6 mai, je vous ferai la vidéo de la mise à jour avec le pass. Peut-être on aura un nouveau pet dans les œufs, peut-être. Hein. Peut-être avec. Je sais qu'on a eu. Je sais plus, je crois qu'on avait eu le. Non, le pan c'était lors de l'event Saint-Valentin, il me semble. Et non, l'axolote, non, c'était dans l'event. Et oui, la baleine était dans un pass. Je sais pas si c'était dans le pass de la saison 4. Je m'en rappelle plus, mais bref. Donc maintenant, bah, il est temps du coup d'aller à la training center comme je disais. Alors les trades. Alors on va commencer par les capsules d'argent. Est-ce qu'on peut en avoir une aujourd'hui? Bon, il y a peu de chance, mais on va voir ça. Oh, quand même. Alors s'il me proposait que le poussin citron vert shiny pour deux capsules d'argent, c'était pas mal. Il m'en faudra encore les deux œufs pour une capsule dorée et deux capsules d'argent. Sinon, oh non, j'avais ma fiesta avant pour avoir ça. Ah mais c'était pas mal. Capsule. À chaque fois je vais. Ah le cœur noir pour le cœur blanc, je sais même pas si je l'ai. Lol. Et jelly noir là pour une capsule. Ok. Je vais regarder pour les cœurs parce que c'est un jour. Non mais non, ouais, c'est j'ai plus le con mais lequel le cœur blanc. Je vais quand même regarder dans la capsule. Non plus Stiggy non plus. Ok, alors egg on va aller dans les œufs mythiques. Oh il me faut là un golem charnier. On est pas loin d'avoir un œuf mythique. Je l'avais trop de golem charnier. Un contre Simba. Ok, mais bon, Simba, il est notre fortrade. Regardez, il est notre fortrade. Donc, moi, j'ai pas très envie d'échanger contre ce petling. À part si c'était contre le lionesse que j'avais avant. Ah attends, il trade Porcinita pour un reward egg. What the fuck, il donne. C'est la première fois que je vois. Ok, dad, oui. Alors, le poussin. Non, pardon, pas poussin, œuf vert. Et le rouge. Et qu'on avait trade de deux clean pool la dernière fois, il me semble. Ouais, là y a rien. Bon, attends, on va essayer d'avoir le pig là. Le pig, le cochon normal. Oh non, il faut un poney. Ah ouais, non, mais là. Comment il s'appelle le petling en anglais là, du cochon là? Et il s'appelle comment? J'ai vérifié. Cochon. C'est le piglet? Je sais même plus comment il s'appelle. Je sais pas, je l'ai pas, non je l'ai pas. Hein. Et en plus, Capsule Petling, on n'en aura pas aujourd'hui. Parce que je me demande, c'est quoi son nom en anglais? Attends, je vais demander aux joueurs quand même s'ils ont le Petling Pig là, ABC, AV, Petling Pig. Je crois que c'est pig. Ah rouge, non. Le rouge, je sais pas si c'est pig. Je sais pas s'il l'est, mais.
Bien qu'il y a eu un peu. Ok. Bon, en attendant, on va faire une crâne. Je peux pas. Non. Ouais. Ouais, et les trades d'aujourd'hui sont vraiment pas ouf. Parce que là, on n'a rien de bon à trade aujourd'hui. Tout le basique est c'est un simple basique. Et on est déjà à la moitié de l'épisode. Ah, il y a quelqu'un qui avait un alpaga, bravo à lui. Alors, l'exolote. Le paquet, ils en trade souvent d'ailleurs. Ouais, je vois le reward avec, je crois pas. Je peux l'avoir contre le lion, mais non. Bah non, parce que c'est Simba. Et Simba, je le trade pas. Et le cochon, ouais, le pig là, ouais, il me faudra un poney. Mais j'ai pas de poney. Pony. Est-ce que le poney, je peux l'avoir? Non. Bon bah, c'est mort. Je pense qu'il n'y a pas de trade à faire aujourd'hui. Manque de bol. Hop. Il n'y en a pas de trade à faire aujourd'hui. C'est pas concluant. Ah, contre Simba, il n'y a pas Simba. Ah, il demande d'aller au parc. Mais Simba, la Lioness, je me demande c'est quoi la famille de Simba d'ailleurs. C'est si, Simba. Lion, Lioness, voir. Je crois, ouais, attends, oui, j'ai Prophet League, là, vous voyez, j'ai Scar, Atlantique, Simba. Évidemment. Mais sous Scar, hein, c'est pareil, hein, c'est dans le même dessin animé, voyons donc. Hein, si vous n'êtes pas d'accord, vraiment, vous avez des mémoires de poisson. Alors là, pour vous dire, un Scar, c'est un endroit du monde. Je vais pas déconner non plus. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui ouvre un reward egg. Je sais pas si vous parliez d'eux ou un truc, mais bref. Les level up, ils passent au feed. Non, j'avais oublié un truc, c'est les moutons Rougrand. Mais là, comme on se rapproche du mouton évolué, alors je sais pas, je pense qu'on pourra en faire un deuxième. Le deuxième, on le fera plus tard, hein, parce que vraiment, j'ai pas envie d'enchaîner deux mêmes évolutions. Donc, mouton, ah bah voilà, on peut le trade pour le pouls bloqué. Ah bah parfait. On va juste regarder s'il y a d'autres moutons. Ouais, ah, contre-t-il reborn. Donc, une chouette reborn. L'axolotre reborn. Et c'est tout. Ok. Donc je peux les changer pour le pouls bloqué. Et bah c'est ce qu'on va faire. Parce que moi j'en ai un peu rien à faire de ce pouls quand même. Donc je l'aurais plus, mais bon, c'est quand même un pouls. Qui est quand même pas mal, j'aurais une deuxième tortue pas loin de Rougrand. Aussi, je pense que je trade des coups. Non, moi j'avais plus. Non, j'ai pas de coups. Donc là, on va se faire du coup le chip évoluer. Du coup. On va pas monter celui-là, on verra plus tard. Du coup, il nous reste quoi comme chip? Je vais essayer alors. Il nous reste deux. Il nous reste soit le mouton nocturne, soit le mouton guimauve. Allez, on y va. Tac, 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 tac. Allez, attention, c'est quoi? Ah non, c'est le mouton soleil. Ah, dommage, ça me fait un double. Ça me fait un double, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va passer au prochain évolué. Bon, on va le monter un petit peu, ça sera... Non, il y a la mouse. Après, sinon, on a quoi? La tortue. Ah ouais, la tortue, je pense qu'on va la faire, parce que... Voilà, on va faire la tortue, parce que bon, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de tortue évoluée, donc pourquoi pas. La prochaine, ça sera la mouse, ensuite l'hamster et ensuite le mouton. Peut-être l'hamster et le mouton, on pourra le faire à la fin de la saison 5. Logiquement, si je fais mes pronostics. Bon, peut-être pas, hein, mais on va voir quand même ça. Bon, on va déjà monter la deuxième turtle, du coup, qui est routine. Ensuite, on va monter les deux autres, là, qui sont routines. Donc... Après ce sera fait, on pourra avoir une nouvelle tortue
en évolué. Alors du coup il nous reste quoi comme tortue d'ailleurs? Donc je regarde. Ah bah il en reste deux aussi, soit la tortue hypnotique, soit la tortue de rivière dorée. Ok. Très bien, très bien. Ça va être chaud. Mais bon. Bon, après, une chance sur trois d'avoir un doublon, c'est quand même faisable. Hein. Et bon. C'est pas une chance sur 5 d'avoir un hein, qu'on veut. Mais bon. Quand même, vous avez vu quand même. Bon, j'ai pas montré ça lors de la saison 1, mais vous avez vu comment j'ai galéré pour avoir les Fiery Fox, hein, pour vous dire. Hein. Bon, j'ai quand même eu beaucoup de chance hein, quand même au début, mais après, je suis tombé que sur les émeraudes. Hein, pour vous dire. Du coup, j'ai quand même réussi à faire un début Shiny Fiery Fox. Hein. Bon, j'ai quand même terminé en 3 jours pour faire un évolué shiny hein, pour venir. Bon, c'est quand même tendu hein, mais c'est vu ça hein. Mais bref, vous vous souvenez hein, quand même là, je sais plus si on avait fait ça la dernière fois, mais vous avez vu, on a rentré parce que j'ai fait ça en vidéo, mais on a eu il y a le code Jelly Bean, donc si vous rentrez vous aurez 3 Jelly Bean hein, voilà de l'event, vous vous souvenez là, de l'event machin à mettre dans de pack à mettre dans votre maison, et ça qui est bien, vous pourrez même le découvrir en, avec des couleurs, ça c'est ouf hein. Vous pouvez le mettre en couleur, c'est bien. Moi j'ai mis, je crois, en couleur j'ai mis jaune, bleu et rouge, il me semble, je crois que c'est ça, oui j'ai regardé à nouveau l'épisode de la dernière fois, donc voilà, bon pour l'instant pas de poux en vue, donc ça va, hein. Heureusement, hein. En termes de merde, j'ai 2 petlings, donc bon. Étendra les 2 prochains. En attendant, tiens. En parlant de. Je vais faire un chou. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc, du coup, je disais. Donc là, on va essayer de. On fera bientôt la. On a la tortue forestière. Non, la tortue forestière. Chez nous. Et ça sera le prochain pet qu'on fera. J'ai 2 évolués chez moi. Et je garde les autres. J'ai aussi une belle fille. Je comptais pas la frappe. C'est un cadeau quand même. Mais... Et en plus, attends, si je grave dans Petling par exemple. Vous voyez, Petling. Voilà, on peut pas échanger non plus les. Comment dire. Les trucs qu'on pouvait avoir au début, avant la mise à jour des passes, donc ouais, les glaces quoi qu'on pouvait avoir au début, donc voilà. Angel, je l'ai encore d'ailleurs, ce petit ou je l'avais mergé bon. Ah non, je l'ai encore. Principal, donc on va s'attaquer à la tortue. Je pense demain, comme on a un épisode de 30 minutes, je dirais. Moi, je pense que je vais finir la tortue hors vidéo, là, celle-ci. Et demain, peut-être, on pourra faire les 2 autres tortues dans l'épisode de 30 minutes. Donc on verra bien. Bon, après, on en aura un autre, hein, l'épisode de 30 minutes, vous inquiétez pas. Hein. Mais bref, hein, et après, il y aura 3 épisodes bonus hein, dans 2 semaines, donc ça va, quand même. Donc voilà, je vais juste attendre récupérer les 10 gemmes et après on fera l'outro et après je vous dis tchuss hein. Donc peut-être à tout de suite hein. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors aujourd'hui du coup le mouton bah, on l'a fait évoluer grâce à un trad ok et on a eu le chip qu'on a déjà, pas de bol, et on s'attaque à la tortue, donc là c'est la deuxième qu'on monte parce que la première hein, vous vous souvenez on l'avait eu. En reprend, c'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, elle est presque regrande, je suis un peu dégoûtée. Mais bref, bon du coup, je vous dis à tout de suite pour les deux tier list un peu spécial. Et n'oubliez pas, tchuss!